l'éveil de la conscience de la jeunesse Emba pousse désormais, dit seul. Ces jeunes conscients de la situation de l'air en République démocratique du Congo, l'insécurité à l'Est, l'instrumentalisation de la jeunesse par les politiques et autres. La troisième édition de la jeunesse Emba, réunion sans la communauté Twibungé, a eu lieu ce vendredi 30 juin à Kalemi, à mémoire de la lutte menée au prix du sang pour libérer les peuples congolais, aussi la valorisation de la culture Emba. Ces jeunes déterminés à jamais à prendre leur destin en main. Une marche que la jeunesse Emba a organisée avec le souci de rassembler tous les jeunes Emba qui habitent à Kalemi. Nous devons prendre notre responsabilité. Donc la jeunesse ne doit pas rester toujours au bas de l'échelle, être manipulée par les politiciens. La marche est partie de la place Quatre Coins jusqu'au restaurant Isis 4 au quartier Kaïnda, où une conférence a été animée sur la culture Emba et l'autoprise en charge, présidée par Henri Massumba, président national de la jeunesse Emba, Joseph Kitoko, cordon provincial, et certains leaders, notamment Ariel Ndayalomba, Gary Kibongé et autres, cela en vue de consolider la cohésion et l'amour au sein de la communauté Emba. Une façon de dire aux jeunes que la communauté reste la communauté. La politique ne doit pas diviser cette jeunesse. Nous devons rester unis, quelle que soit la diversité de nos ambitions politiques. Puis, le divertissement à la plage Kaïnda au bord du majestueux lac Tanganyika, animation, souvenirs des chants mémorables Emba et la photo des familles.